les BG, c'est Titi, j'espère vraiment que ça va pour en tout cas moi, ça va super. Et aujourd'hui je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tuto, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une petite astuce qui va vous permettre de jouer avec la clé à molette, la malice, la hache enflammée et le champ de la fureur, hein, tout ça sur la nouvelle map zombie Gorod Grovy qui est sortie avec le DLC Descente. Et une fois ces 4 armes en main, vous aurez aussi un trophée qui s'appelle Contre la Mante. C'est un trophée caché, voilà, qui consiste tout simplement à passer les manches le plus rapidement possible avec un délai, un chrono tout simplement. Allez, on va commencer avec le premier défi qui consiste à débloquer la clé à molette. Donc pour cela vous devrez terminer les 5 premières manches, je dis bien les 5 premières manches, c'est-à-dire vous arrivez à la manche 5 et vous la terminez, voilà, c'est très important, voilà, en moins de 5 minutes, voilà, vous avez un chrono, normalement vous mettez select avec votre pad et vous aurez un chrono en haut à gauche de l'écran tout simplement et vous regardez un petit peu le temps, normalement si vous êtes assez chaud, vous pourrez terminer ce premier défi en 3 minutes, essayez vraiment d'avoir de l'avance, sinon tout simplement vous allez prendre du retard et vous allez vous louper. Pour ce premier défi, je vous conseille vraiment de rester à la first room, hein, c'est ce que j'ai fait avec mes potes, puisque les spawns sont vraiment super serrés, et puis voilà, vous embêtez pas, vous spawnez, et puis voilà, vous passez les 6 manches, une fois arrivé à début manche 6, puisque la manche 5 sera terminée, vous pouvez payer la première porte, vous sortez du spawn et vous vous dirigez vers le bastion, là où se situe la Vesper, entre la Vesper et la première bouteille de vodka, et sur le mur vous aurez la clé à molette, voilà, qui coûtera 100 points, donc c'est vraiment pas cher, et surtout elle one shot jusqu'à une certaine manche que je ne connais pas, mais voilà, c'est vraiment super cheaté pour une arme de corps à corps. Voilà, je pense que vous avez pigé le principe, hein, c'est le même pour toutes les armes, il y a juste le temps qui augmente avec les manches. Donc je vais vous expliquer tranquillement, déjà pour la clé à molette, vous l'avez vu, c'est 5 manches en 5 minutes, pour la malice c'est 10 manches en 12 minutes, pour la hache enflammée c'est 15 manches en 24 minutes, vous l'avez vu, c'est de 5 en 5 les manches, et pour le champ de la fureur, forcément c'est 20 manches en 32 minutes. Alors comme conseil, je pourrais vous dire de rester vraiment organisé avec vos potes, de pas faire à 4 ni solo, solo c'est plutôt compliqué, je vous conseille vraiment d'être soit à 2, soit à 3, moi je l'ai réalisé à 2, mais je pense que c'est plus simple à 3, voilà, donc vraiment restez organisé, répartissez-vous, les spawns des zombies, voilà, les portes, vraiment essayez, regardez pas l'argent, franchement dépensez comme ça vient tout seul, et puis surtout achetez des gobblegum les gars, vous mettez des gobblegum pour avoir des bandes, des one shot, vraiment tout ce qui peut vous aider, vous connaissez les bails. Et puis n'hésitez pas à faire des boîtes, voilà, si vous pouvez avoir le laser Mark 3, ça pourrait vraiment vous aider grandement. Et puis vraiment, je le répète, mais restez vraiment organisé, restez dans le même secteur. Si vous êtes 3, restez dans la même maison, puisque sinon, si vous vous éparpillez, les spawns vont aussi s'éparpiller et forcément, les zombies vont se balader et vous allez perdre des précieuses secondes. Donc voilà, c'est tout pour moi, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, hein, j'y répondrai évidemment. Donc moi, je vais pas vous embêter plus longtemps, hein, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis tchuss, hein, c'était Titi. Bye.